Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle session autour du Sparkle et de Wikidata. Ça sera sans doute la dernière session de décembre et donc de l'année. Et du coup, pour laisser la parole à toutes les personnes qui sont présentes à chaque fois et qui ont toujours plein de questions auxquelles j'ai pas toujours le temps de répondre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, bah, de prendre vos questions, de répondre, voilà, en fonction de ce que vous avez envie. J'ai deux, trois questions que j'avais en stock, des idées. Notamment, je me suis rendu compte que les préfixes Wikidata n'étaient pas toujours clairs pour tout le monde. Et j'ai un ou deux trucs à vous montrer. Mais sinon, j'ai pas d'idée spéciale pour ce soir. Et c'est vraiment l'idée que ce soit ouvert pour toutes les personnes qui ont des questions. Que ce soit des questions, il n'y a pas de questions bêtes justement, mais des questions basiques sur des choses que vous avez essayé de faire, que vous ne réussissez pas, ou des questions plus compliquées sur des codes qui font 25 lignes et qui ne marchent pas et vous ne savez pas où est l'erreur. Moi, j'aime bien débugger le code des autres. Voilà. Donc, bonsoir, Tamiel et Envel. Content de vous voir. Et voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat Twitch. Ce soir, on est là pour ça. C'est open. Avant de commencer, je voulais juste dire deux mots, revenir sur un projet que j'aime beaucoup et qui est une discussion en ce moment, c'est Wikipédia Abstract, enfin Abstract Content, Abstract Wikipédia. Ça a 15 noms, je ne sais jamais quel est le nom actuel. Et Wikifonction, qui sont en train d'avancer en ce moment. Et ils avancent tellement qu'ils en sont à se demander sous quelle licence devrait être. Devrait être le contenu, que ce soit le contenu des fonctions ou le contenu du résultat des fonctions. Donc il y a une discussion qui est en cours, je suis en train de rechercher en même temps le lien, j'aurais dû le préparer. Licensing discussion qui est ici. Donc en attendant que vous me posiez des questions plus spécifiques à Sparkle ou à Wikidata, je peux vous montrer ça. Donc, je vous donne le lien dans le chat et je passe sur l'écran pour que vous voyez. Donc pour ceux qui n'auraient pas du tout entendu parler d'Abstract Wikipédia et des Wikifonctions, c'est l'idée de utiliser le contenu Wikidata, les données brutes, pour en faire d'autres choses, les manipuler. Ou en faire des phrases typiquement, en faire des contenus, et donc c'est là qu'on arrive sur la Wikipédia abstraite, etc. Et donc, comme ils le disent dans le bandeau qui est en haut, là, depuis la semaine dernière, le 3 décembre, ils ont identifié deux questions fondamentales qui ne sont pas encore résolues. Quelle devrait être la licence du code, GPL ou Apache, et quelle devrait être la licence pour le contenu, CC BY SA ou CC 0. Et donc du coup, c'est là qu'il y a sous page licensing discussion où il y a eu beaucoup de choses qui sont à rappeler, et notamment les bases juridiques, etc. Autant sur le code GPL ou Apache, je suis pas persuadé, enfin, les deux me vont. Légère préférence, mais peu importe. Par contre, pour le contenu CC BY SA ou CC 0, j'ai un peu de mal à voir comment CC BY SA pourrait s'appliquer, donc je m'interroge. Et du coup, le petit Ced, bonsoir au passage, pose déjà une question autour de est-ce que tu as des infos sur l'implémentation réelle de Abstract? J'ai beau lire la doc, je ne comprends pas si les fonctions sont utilisables partout. Alors, déjà, autour de la Wikipédia abstraite, il y a beaucoup de questions non résolues. Il y a beaucoup de potentiel
qui est effectivement un peu éthéré et pas réalisé. Donc je comprends, c'est normal quelque part que ce soit pas forcément clair pour toi. Ça n'est pas forcément entièrement pour moi. Par contre, l'idée quand même, c'est que les fonctions soient utilisables partout de Wikifonction. La Wikipédia abstraite, c'est encore une autre partie, c'est un peu les coulisses et la vitrine. Donc la vitrine, je sais pas quelle forme ça prendra. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas sûr de quelle licence il faut utiliser, c'est pas clair. Par contre, les fonctions seront utilisables partout, bien sûr. Elles seront même utilisables en dehors des wikis, elles seront appelables dans les wikis. Ça, normalement, ça devrait être assez clair. Et je trouve qu'ils sont, en termes de transparence, ils sont nazes. Je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est plutôt assez clair, là, par exemple, etc. Est-ce que c'est il fournit un code. Effectivement, c'est pas dit. Là, il parle beaucoup du lien entre les deux. Il dit pas que ce sera utilisable à l'extérieur, mais il n'y a aucune raison. Il parle voilà des modèles ici ou des textes en Lua. Donc, c'est implicite, mais ça, il est assez évident pour moi que ce sera utilisable un peu partout. Et en termes de calendrier, justement, là, on en est à la fin 2021 du lancement de Wikifonction. Et 2022 devrait voir le début des choses concrètes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça sera plus parlant pour tout le monde de à quoi ça ressemble et comment ça marche. Je cherche, mais je ne retrouve plus, évidemment. Il y a un prototype de Wikifonction qui s'appelle NotWiki Lambda qui est disponible quelque part. Note Lambda. Je ne le retrouve plus, il n'est pas sur cette page-là. Mais est-ce que sur l'extension Wikilambda c'est écrit ici? Donc pour l'instant elle est encore expérimentale, ça c'est normal, c'est en cours. Plein de codes machin. Une information implicite qu'il faut deviner, c'est pas trop une information transparente. Oui. En même temps c'est au tout début, donc voilà. Je trouve pas de note Wiki lambda non plus ici. Évidemment, je vais pas retrouver. Bon, c'est pas grave. Par contre, ceci dit, s'il manque des transparences, faut pas hésiter à les signaler, par exemple sur la page de discussion, ici. Ça parle beaucoup des Z-objects qui seront l'entité de base des wikifonctions. Ah bah, là, voilà, la toute dernière question de fin novembre, donc assez récente, et qui n'a pas de réponse du coup. Comment on va faire travailler le... Comment on va marcher la Wikipédia abstraite pour du point de vue des éditeurs? Et la personne dit qu'elle travaille sur les diplomates avec l'éditeur visuel pour créer et améliorer des articles. Wikipédia abstraite a l'air d'être une bonne idée. Blablabla. Beaucoup de questions. D'accord. Mais voilà, Quidity Nick, qui est ici, répond régulièrement, assez rapidement normalement aux questions. Normalement, parce que là, il a quand même mis un mois à répondre. Mais là, ils sont effectivement dans une phase de développement interne. Ils sont peut-être occupés sur plusieurs feux en même temps. C'est pour ça que la documentation n'est pas forcément bonne. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il y a eu, d'ailleurs, je ne suis pas sûr de l'avoir mentionné, le logo qui a été dessiné assez récemment. Donc le logo de Wikifonction devrait être celui-là, a priori. Qui est celui qui est... Voilà, les gagnants du concours, c'était ça. Et quand c'est passé ensuite par les questions juridiques, l'équipe légale, a priori, le logo final devrait être celui-là, avec le lambda du nom du code originel du projet qui est à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ces résumés-là, d'ailleurs, Wikipédia Updates, Abstract, Update, mise à jour, sont assez bien faits. Voilà, c'est le dernier du 2 décembre, d'ailleurs. Et a été traduit en français déjà, parfait.
Qui a traduit en français? Pas moi pour une fois. Vincent Simard. Merci à lui. Ah non, tout n'est pas traduit en français par contre. Mais il reparle des questions de licence là qui sont. Voilà. Donc, je vais vous donner ce lien aussi pour ceux qui s'intéressent. Et puis je vais finir de traduire plus tard. En fait, je trouve que ça fait tape à l'œil et vendeur, mais pour la communauté qui se pose des questions de savoir si Wikipédia va devenir obsolète et si les fonctions pourront être utilisées partout, ben c'est dur d'avoir la réponse. Wikipédia va devenir obsolète? Non. Je trouve toujours un peu idiote ce genre de question. Est-ce que la télé va tuer la radio? Ben, non. Effectivement, ça va la remplacer. On n'aura pas la même relation avec la radio, mais la radio, ça existe toujours, hein, des centaines d'années après. 50 ans après la popularisation de la télé, et Wikipédia disparaîtra pas, et en plus Wikipédia abstraite, pour les langues de début, de toute façon, il n'y aura pas le français, donc on a au moins jusqu'à 2024-25 avant qu'il y ait une Wikipédia abstraite en français, je pense. Au moins 23, de toute façon, au plus tôt, même pour l'anglais, ça sera 23, je crois. Donc il y a du temps, ça devient, puis ça ne deviendra jamais obsolète. L'idée, c'est justement que les deux fonctionnent ensemble. Et vu que les deux fonctionnent ensemble, bah, les fonctions devraient pouvoir être utilisées partout. Après, on sait très bien que des nouvelles fonctionnalités, quand elles sont développées en général dans MediaWiki, peuvent mettre beaucoup de temps à se répartir, hein, partout sur tous les projets. On le voit avec les changements dans l'interface de Wikipédia, là par exemple. Wikipédia en français a eu la nouvelle interface avec le sélecteur de langue en haut à droite et puis dans le menu à gauche, et la Wikipédia en anglais ou en allemand l'ont toujours pas. C'est pareil, ça va mettre des mois à se dérouler. Mais ça devrait être partout au final. Les tablettes d'argile, ça existe toujours, mais c'est un peu quand même obsolète comme support. Oui, non, mais là, on a dit, on est plus sur une comparaison télé-radio que tablette d'argile télé. Oui, effectivement. Mais Wikipédia sera jamais en plus totalement obsolète parce que aussi bonnes que soient les wikifonctions et le résultat sur la Wikipédia abstraite, ça remplacera jamais toutes les subtilités du langage humain d'écriture. L'idée, c'est d'ailleurs comme dans les infobox qui passent avec Wikidata maintenant, c'est ce qui est automatisable, on l'automatise avec les wikifonctions Wikipédia abstraite, et ce qui n'est pas automatisable, bah, ça restera à faire à la main, il y en aura toujours. Mais du coup, ça peut libérer du temps pour rebooster aussi quelque part les Wikipédiens. Moi, j'y crois, c'est un pari un peu, mais on verra. Bon, on dérive, je voulais juste faire un petit point d'étape sur Wikipédia abstraite. Le petit cède. Si tu veux en discuter après, je suis dispo. On va encore avoir les râleurs qui vont se plaindre que les bots font des articles. Oui, bah ça, toujours, de toute façon. Et on a l'expérience du suédois, du Cebuano, du Warre Warre, où ça a été fait beaucoup par des robots. Et je pense que justement, on a vu que ça marchait pas de faire avec que des robots. Et c'est notamment pour ça qu'avec les fonctions, on devrait être un peu plus subtil que les robots. Et que même aussi bonne que soit les wikifonctions, ça remplacera pas totalement quoi. Du coup, les râleurs vont râler. Et non, je comprends tout à fait pourquoi ça ne le sera pas. Je travaille dans le TALN, traitement automatique des langues naturelles, pour ceux qui ne suivraient pas, qui est au cœur des wikifonctions, qui n'est pas que ça, les wikifonctions, mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus vendu. Le côté tape à l'œil, effectivement, je suis d'accord. C'est juste que je trouve que la question est pertinente et qu'elle est aussi un peu le craindre. Oui, ben je suis d'accord avec le constat. Je suis optimiste sur ce constat, mais on est d'accord. Voilà. Donc, comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver entre-temps, ce soir, c'est session ouverte. Posez toutes vos questions autour de Wikidata en général. Et de Sparkle en particulier, mais pas que de Sparkle, et on essaiera d'y répondre. Avant d'aller plus. Enfin, je vous laisse écrire vos questions, n'hésitez pas, je voulais juste vous montrer un truc. Quand on fait une requête, par défaut, on utilise par exemple tous les éléments qui sont situés
localiser, localisation administrative à Clermont-Ferrand, par exemple. Oui, je ne prends plus que des exemples autour de Clermont-Ferrand. Ça y est, je suis Clermontois. Et ça, je peux lancer, j'ai ma requête, et ça me donne 665 résultats à Clermont-Ferrand. Des lieux, peu importe. Et on utilise par défaut, de façon conventionnelle et tout à fait arbitraire, toujours les mêmes préfixes. Les préfixes par défaut, WDT et WD, par exemple. Mais en fait, ces préfixes servent à faire des raccourcis. La vraie syntaxe du Sparkle qui est derrière, si on regarde la liste des préfixes, ici c'est ça en fait, WDT, qu'on va retrouver ici, ça sert à raccourcir cette URL. Donc en fait, ça veut dire que la vraie chose qu'on fait, c'est plutôt, si je me trompe pas, en syntaxe, quelque chose comme ça. Voilà. Normalement, on écrit ça. Alors, je vais écrire les deux l'une au-dessus de l'autre, que ça vous parle plus. WDT, du coup. Et du coup, la même chose avec WD. Le préfixe, en fait, c'est juste de raccourci quelque part dans la syntaxe. Et on voit là, par exemple, entre ces deux lignes, le raccourci est même assez violent. La ligne est trois fois plus courte avec le préfixe. Mais là, les deux lignes sont strictement équivalentes. C'est juste par convention et facilité qu'on écrit ça plutôt que ça. Et ça, c'est vrai d'ailleurs pour n'importe quel endpoint Sparkle. Normalement, on utilise tout le temps les URI derrière, mais on raccourcit les URL, les URI, avec des préfixes. Donc ça, c'est important de toujours se souvenir qu'en fait, on est bien toujours sous une forme de triplé d'URI, d'identifiant et d'entité en l'occurrence. Et ce qui est cool, c'est que, en fait, normalement, quand on est... Alors ça, je vais le virer, j'espère que ça a été clair. Non, je ne vais pas le virer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous la laisser comme ça et je vais vous la partager comme ça. Comme ça, ça laissera une trace. Hop là. Et donc, par contre, on va revenir à cette syntaxe-là. On va prendre le préfixe. Et normalement, quand on fait du Sparkle, on est toujours obligé de déclarer les préfixes ici. En fait, le Wikidata Query Service déclare les préfixes pour vous. Et du coup, c'est pour ça qu'ils deviennent un peu invisibles et qu'on oublie que ces préfixes existent. Mais ce qui est cool de les redéclarer, c'est qu'on peut les appeler comme on veut. En fait, là, WD, par exemple, je pourrais l'appeler Tototo. Et ici, si j'appelle Tototo, ça marche aussi. Alors, le nombre de cas où vous avez besoin de jouer avec les préfixes est normalement assez limité. Mais j'aime bien le rappeler. Par exemple, là, on pourrait l'appeler élément. Alors, par contre, il va peut-être pas kiffer d'avoir des... Non, il va pas kiffer d'avoir des accents. On va l'appeler élément comme ça. Si vous vous souvenez plus de ce que veut dire WD, qui pointe effectivement vers les entités de base de l'espace principal, donc ce qu'on appelle les éléments, bah vous pouvez l'appeler comme ça. Je vais vous partager ça, ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Et puis d'ailleurs, de la même façon, tant qu'on y est, on peut faire une chose avec préfixe WDT. Et celui-là, on peut l'appeler propriété. Et voilà. Propriété élément. Et ça, c'est du coup parfaitement valide parce qu'en fait, si vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire juste avant, le préfixe, c'est juste un raccourci arbitraire qu'on décide de mettre comme on veut. Oh, bonsoir, Gétrobot. I hope you're fine. I'm talking about Sparkle and Wikidata Query Service today. Specifically how prefix work. If you have question, I'm not sure you understand French, feel free to ask in English. Je repasse en français. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vous rencontré déjà des choses où vous avez besoin de jouer avec les préfixes, vous étiez un peu perdu. Bah voilà. N'hésitez pas à vous poser vos questions autour des préfixes. Vous pouvez le faire maintenant. C'est disponible pour vous répondre. Et bah c'est important parce que quand vous allez par exemple sur linguolibre.org et qu'on va sur learn.sparkle ici, donc là voilà, vous avez un raccourci ici, puis vous avez des exemples de requêtes. Donc on peut prendre une liste des locuteurs, pourquoi pas. On va copier le code et aller ici.
Et vous voyez que là, le préfixe, justement, il s'appelle prop et entity. Mais si vous voulez l'appeler différemment parce que vous venez de Wikidata et que vous avez l'habitude du code sur Wikidata, bah vous pouvez remettre le préfixe au début pour l'appeler pareil. Ou inversement, si vous voulez préférer prop et entity côté Wikidata parce que vous avez l'habitude de Lingua Libre, vous pouvez changer le préfixe comme bon vous semble, littéralement. Voilà. Voilà, les préfixes, je ne rappelle pas, mais il y en a donc, tout un tas, notamment tous les préfixes généraux, ceux qui viennent en fait dans l'ontologie qui sont extérieurs à Wikidata, et après tous les préfixes propres à Wikidata. Mais les deux, dans les deux cas, ça ne change rien, on peut changer si on veut le nom, parce que parfois ça peut vous rendre ça les choses plus parlantes. Plus logique parfois peut-être. Et je n'ai plus aucune réponse dans le chat. Est-ce que je vous ai perdu? Comme je disais ce soir, le but, c'est que vous vous posiez vos questions. Donc, je pense que Envel ou Dalf, par exemple, ont dû suivre ce que j'ai dit, mais le petit Ced ou Hcharazin, oui, je dénonce tout le monde ce soir. Tu as un exemple, me demande Galoroom, d'utilisation dans Wikidata d'un préfixe extérieur? Bien sûr. Très bonne question. Par exemple, quand on fait. Comment je vais faire? Ben, on va rester sur les éléments localisés à Clermont-Ferrand. Donc là, on est avec des préfixes qui sont les préfixes Wikidata qui sont ceux-là. Mais si je veux récupérer le libellé, je peux faire item RDFS label et ça sera le libellé. Et puis je vais garder le libellé filter langue du libellé. Alors là par contre je sais que j'ai le droit de mettre des accents donc je vais en profiter. Égal. Et ça voilà, ça va me donner le libellé en français. Et en fait la façon dont on stocke les libellés dans Wikidata repose sur une ontologie extérieure. Là donc horloge Jacquemart à Clermont-Ferrand. Je ne connaissais pas cette horloge. Waouh, elle est classe en plus, à l'intérieur de la cathédrale. Et donc la façon dont on stocke les libellés, les descriptions, les alias dans Wikidata repose sur une ontologie extérieure. Donc on a voilà un exemple. Alors du coup, après il y a des voilà RDF, c'est très général, RDFS, etc., etc. Alors à la limite, ce qu'on va faire, je vais vous partager ça quand même déjà. On va prendre un élément et on va regarder tout ce qu'il y a autour qui dépend ou pas de Wikidata. On va pointer un peu. Si j'enlève du coup tout ça et on va mettre donc du coup, je vais l'appeler prédicat et objet. Parce que du coup, c'est pas souvent on considère que ce qu'il y a au milieu là, c'est une propriété. Mais en fait, c'est plus large que juste les propriétés Wikidata. C'est tous les prédicats du graphe, du système où sont stockés. Et donc la majorité sont des données, mais pas que en fait. Et donc on voit que voilà, autour de Clermont-Ferrand, on va ouvrir Clermont-Ferrand ici en parallèle pour faire la comparaison à chaque fois. Ben on voit voilà qu'il y en a plein de prédicats là qui sont voilà scos alt label, ça c'est pour les comment s'appelle les comment on appelle ça ici hein, également connu comme les alias. D'ailleurs je vois qu'il y a un alias là canton de Clermont-Ferrand qui n'a rien à faire ici. On en profite, un peu de ménage qui était là, Clermont-Ferrand. Voilà. Alors si on descend, on a aussi, voilà, par exemple Wikibase Statement, Wikibase Site Link, Wikibase Identifier. Donc ça, c'est des internes à Wikibase, mais pas des propriétés pour autant. Donc c'est les Wikibase ici. Qui est interne à Wikidata, enfin, qui est interne à Wikibase et pas à Wikidata. C'est vrai qu'il y a une subtilité entre les deux. Hein. On est dans un niveau intermédiaire, semi-externe.
Après, on trouve donc WDT les propriétés classiques, ça, il n'y a pas de problème. Si je faisais un tri par le CVT ici, ou alors si je faisais plutôt groupe by, non, je ne vais pas faire un groupe by, je peux faire d'ailleurs tout simplement un distinct prédicat, et là, il va me donner uniquement les prédicats, et il ne me l'a donné qu'une fois. Voilà, donc là, j'ai 193 prédicats différents. Schéma version, schéma, si on fait un tri par l'alphabétique. Schéma date modify, description, version, Wikibase identifier, cyclinks, RDFS label, SCOS label. Et après, voilà, comme je disais, on a une majorité de WDT. Mais on en a donc du coup 3 et 3, 6, 7, 8. Ici, qui sont externes. Et donc du coup, pour les expliciter, on a donc RDFS label qui sert au libellé. Non, attends, je vais même mieux que la montrer, je vais la partager. Hop là. Donc c'est juste pour l'élément Clermont-Ferrand, donne-moi toutes les données en fait. Tous les prédicats objets, donc tous les évidemment propriétés valeurs. Mais aussi, voilà, dans chaque case ici, donne-moi les infos. Et en fait, il nous donne même aussi, c'est ce qu'on verra juste après. Tout en bas de la page, la date de dernière modification. Ça, c'est aussi une donnée qu'on peut avoir en Sparkle. Justement, date modified. Là, c'est la date de dernière modification qui est dans l'ontologie schéma. Schéma description, c'est du coup les descriptions. Alors, on remonte tout en haut. Ici, les descriptions au centre de la boîte. Schéma version, j'oublie toujours ce que c'est. Wikibase identifier, c'est les identifiants qui sont en bas. Identifiants. Voilà, tous ceux qui sont ici. Cycling, c'est les liens qui paraissent tout en bas, les liens externes vers les différents projets Wikimedia. Ils sont ici. Et Wikibase Statement, c'est le comptage du nombre de statements. C'est un compte bête et méchant. Voilà. RDFS label, du coup, les libellés. SCOSALT label, les alias, ça on en a parlé. Et après, ben voilà toutes les propriétés. Là, je ne vais pas détailler. Ça, c'est des propriétés assez classiques. Je sais pas si ça répondait complètement à ta question, du coup, Galorum. N'hésite pas. À poser la question, et puis juste pour donner un peu une. Alors, ce que je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et puis là, du coup, si je sais que ça c'est un prédicat qui existe sur cet élément, je peux remplacer ici prédicat par ma valeur. Et puis là, du coup, afficher les objets, mais bon, vu qu'il n'y a que objet, je vais mettre étoile par mon raccourci encore une fois. Donc on sait que voilà, l'élément Clermont-Ferrand a été modifié la dernière fois le 7 décembre 2021. Si je mets schéma description, je vais avoir les descriptions dans toutes les langues, donc je vais avoir une centaine de valeurs au moins. Ah, 32 résultats. Donc, commune de France dans tout un tas de langues en fait. Commune de France ou cité parfois, city, ville. Ville de France aussi là. Ok, schéma version, comme je disais, je ne me souviens plus de ce que c'est, donc à la limite, il suffit que je le mette ici. Et là d'ailleurs, je peux faire un schéma, puis une version, je ne veux pas. Là. Ouais, je me souviens jamais de ce que c'est cet identifiant. C'est la version de l'historique, un truc comme ça. Peut-être que NVL ou DALF, par exemple, se souviennent de ce que c'est schéma version exactement. J'en ai jamais besoin, donc je n'ai pas peur de dire que je me souviens plus. Wikibase Identifier, voilà, ça me dit qu'il y a 47 identifiants. Cyclink, ça me dit qu'il y a 111 liens vers les Wikipédia, Wikisource, Commons, même vers Wikidata en théorie, etc. Bon, je ne les fais pas tous, vous avez compris le principe normalement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ou pas? Ou est-ce que je repars dans mes idées? Ce que je peux vous parler aussi rapidement, c'est sur Twitter. En ce moment, je suis parti à faire ce que j'appelle le un jour une requête. Donc si vous cherchez le hashtag un jour une requête,
Ah, alors, NVL nous dit qu'il me semble que, chez ma version, du coup, j'imagine, c'est juste un numéro interne pour tracer quelle version de Wikibase. Ah oui, c'est possible, a été utilisé pour stocker l'item. Oui, c'est la version de l'item et pas la, de Wikibase et pas de. Non. Ouais, bref, pas très utile. Donc voilà, un jour une requête, pareil, je vous partage le lien, où je fais régulièrement des requêtes. Donc là, voilà, typiquement, cette requête-là était assez marrante, c'est pour ça que je voulais en parler. En général, je fais des requêtes un peu visualisation cool, parce que je sais que c'est ce que les gens attendent. Donc, puis j'essaie de faire en fonction de l'actualité ou de l'envie du moment. Donc là, typiquement, c'était pour la Saint-Nicolas, voir tous les saints du jour, j'en reparlerai juste après. Blaise Pascal, c'est juste parce que c'est Blaise Pascal et Clermont-Ferrand, c'est toujours l'actualité. Là, c'était les 217 ans du sacre de Napoléon. Donc, du coup, il y a un tableau de Jacques-Louis David qui s'appelle le sacre de Napoléon. C'était les images de toutes les personnes représentées. Bon, là, c'est là. Voilà, ça, c'est une liste d'œuvres où on voit la neige. Bon, voilà. La neige au sens large, donc là en fait c'est à fond des neiges où il y a de la glace, bataille de boules de neige ici, c'était assez marrant. C'est parce qu'il neigeait à Clermont-Ferrand. Et j'en fais du coup régulièrement pour donner envie, pour donner des exemples, j'essaie de diversifier dans tout ce que je fais. C'est toujours intéressant. Et ça a l'air de plaire parce que là typiquement une notification, je suis sûr que ça va être des likes. Ah non, c'est autre chose. Mais souvent je suis liké sur mes. Sur mes. Un jour une requête. Et donc là voilà, ça typiquement c'est une requête liste des personnes dont c'est la fête aujourd'hui. Et c'est mise à jour quotidiennement automatiquement. Quand je l'ai faite hier, c'était Saint-Nicolas et puis tous les autres saints du jour. Aujourd'hui on est le 7 décembre, ça a changé de jour, donc on a d'autres saints, saints et martyrs. Hein. C'est pas forcément que des saints d'ailleurs, au sens strict, saints, saintes d'ailleurs. Mais on a des martyrs ou des choses comme ça un peu annexes, donc c'est la fête. Et voilà, c'était marrant aussi parce que souvent on se dit que un jour un saint, le 6 décembre c'est que Saint-Nicolas. Et alors qu'en fait non, c'est pas vrai, chaque jour il y a des dizaines, des quinzaines de saints qui existent. Et ce qui est marrant dans ce code-là, de cette requête, c'est que j'ai utilisé plusieurs fonctions inhabituelles. Par exemple la fonction now, qui permet d'avoir la date du jour. C'est comme ça qu'en fait la requête c'est automatiquement que c'est aujourd'hui. D'ailleurs, si vous changez l'horloge interne de votre ordinateur pour la mettre à un autre jour, il vous donnera le jour correspondant, je pense. Peut-être que now ça vient de du système interne. Mais bon, peu importe. Par défaut, ça change tous les jours à la date qui va bien. La fonction month day, il y a aussi la fonction year pour l'année, qui permet de récupérer que le mois ou le jour de l'année dans une date, de la séparer facilement. Et puis après, bon, un jeu un peu compliqué pour récupérer avec les qualificateurs le 7 décembre à partir d'aujourd'hui. En fait, on prend la date du jour, on sépare pour avoir le mois et le jour. On demande un élément qui porte sur le jour. Donc c'est un élément, l'item du mois qui a pour valeur le mois. Et qui a ici la fête qui porte sur ce jour spécifique. Et ensuite, on trouve l'item sur la personne qui correspond à cette fête. Donc voilà, tout ça pour trouver en fait 7 décembre à peu près. Et là, ça c'est les personnes qui ont pour fête le 7 décembre. Envel me confirme ce que je soupçonnais effectivement, c'est que c'est exécuté côté serveur, donc c'est bien l'heure de Wikidata Query Service, le now. Donc je sais pas quelle heure il est en UTC, j'imagine, le serveur. Donc je sais pas si à minuit. Alors je vais pas durer jusqu'à minuit ce soir juste pour tenter. Mais il faudrait voir exactement à quelle heure il change d'ailleurs. Ou sinon, plus bêtement, en fait, je peux faire select where. On va faire un bind du coup pour l'attribuer à quelque chose. Mais now maintenant. Et on a le résultat et il nous donne juste ses décembre, il nous donne pas ah si, il nous donne à l'heure près quand je survole avec ma souris mais que vous ne voyez pas, et il me dit qu'il est 17h33, donc c'est bien l'heure UTC, c'est bien ce qui me semblait. Je peux partager cette petite requête toute bête mais qui peut servir si vous en avez besoin un jour.
Voilà, et du coup, j'ai eu ma première question. Merci, Tambou Coriel, au passage. Tu peux faire une requête sur le compositeur Onslow? Eh ben, on peut carrément. Déjà, on peut faire Onslow George, de son prénom. Il aura bien trouvé, salaud. George Onslow, le compositeur français. Et perf, comme on a fait tout à l'heure, prédicat, tout à l'heure. Par rapport à l'heure, côté serveur, Louzona nous dit c'est pas très portable. Si quelqu'un l'utilise à l'autre bout du monde, cette personne n'aura pas forcément le même résultat, surtout autour de minuit. Effectivement. Je sais pas si les Australiens, par exemple, toute l'Asie, se sont déjà plaints de ça. Ou s'il y a peut-être quand. Je ne sais pas à quel point il interagit avec, avec le navigateur pour récupérer l'heure. Mais effectivement, ça peut être problématique. Pareil, comme tout à l'heure avec les petits cèdres, on en parlera sur Discord si tu veux pour voir un peu plus loin. Donc du coup, ce qui est cool, c'est qu'on voit plein de propriétés autour de George Onslow. On voit qu'il y a plein de données. Il y a 286 données brutes autour de George Onslow. On voit que déjà, moi, j'aime bien faire date modified pour avoir une idée de la fraîcheur de l'élément. Est-ce qu'il a été modifié récemment? Et là, effectivement, on voit qu'il a été modifié il y a quelques jours, le 4 décembre. On voit qu'il a tout un tas de descriptions dans tout un tas de langues, qui contient quand même 55 identifiants, 20 liens extérieurs, 95 déclarations. On voit bien d'ailleurs les statements, c'est bien les déclarations, il y en a 95 sur un total de 286 données. Donc il y en a presque 200 qui sont pas des. Bah, qui sont toutes les descriptions là, surtout. Description libellée, ça monte vite en chiffres. C'est marrant, on voit que d'ailleurs certains choisissent de mettre la date et d'autres disent juste compositeur français. On voit les différences entre langues. George Onslow, voilà comment on dit George Onslow en arabe. George Onslow, ok. Onslow, ok. En persan, par contre, j'arrive pas à lire, effectivement, c'est vraiment une langue différente. En japonais, et puis après, voilà, tout un tas d'autres langues, notamment la langue chinoise. On voit les libellés, André Georges Louis Onslow. Et puis, on voit, voilà, notamment tous les identifiants. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, on peut mettre. Alors, je sais jamais, mais c'est pas grave, on va faire en deux étapes. Le prédicat. Il a pour RDF type un type. On va faire ça comme ça. Et du coup, quand je suis. Parce que je ne me souviens jamais de cette valeur hein, pour les identifiants externes, c'est data type. C'est ça que je veux. Pas tout à fait, mais effectivement, c'est presque que les identifiants qu'on trouve ici. Et on voit qu'il est présent dans tout un tas de bases de données. Ça permet de voir, par exemple, pour chercher des sources. On n'a pas de liste de ces œuvres sur Wikidata. Si, tout à fait, et c'est là que j'allais avancer. Alors, les œuvres, elles fonctionnent en deux sens. On peut avoir George Onslow qui a pour œuvre notable des œuvres. Et souvent, P800, œuvre notable, est peu utilisée, notamment à cause du mot notable, qui a été, à mon avis, pas forcément une bonne idée, parce que du coup, les gens savent pas trop ce qu'est notable ou pas, et ont tendance à pas le remplir, voire à se battre pour dire, mais qu'est-ce qui est notable ou pas dans l'œuvre d'une personne. Et là, donc là, on n'a rien. Par contre, si on fait dans l'autre sens, toutes les œuvres qui ont pour haut de. Qui ont pour c'est pas auteur, c'est créateur, auteur, comment ça s'appelle? Auteur, créateur, créateur, George Onslow, et ben on n'a pas de résultat non plus, sérieusement, et c'était auteur. Œuvre notable, ça a un aspect vachement subjectif, oui, c'est exactement ce que je reproche à cette.
ses propriétés. Alors, est-ce que je me plante quelque part ou est-ce qu'il n'y a pas d'œuvre de George Onslow sur Wikidata? Mais pourquoi? N'y a pas de raison. Compositeur, voilà. Et si je fais page liée, là, par exemple, pour voir ce qui est lié à George Onslow. Parce que s'il n'y a pas d'œuvre, c'est-à-dire qu'aucune de ses œuvres n'a non plus de. Bah, si, la Trio Top Chord, là, typiquement, ça ressemble à une œuvre de. Compositeur, mais je suis trop bête. Excusez-moi. Donc, si j'utilise la bonne propriété. Alors, ça veut dire qu'il a écrit aucun texte, ou qu'il a peint aucun tableau, ou autre, qui est connu de Wikidata. C'est bizarre parce que je pense qu'il a dû écrire au moins un ou deux textes de mémoire. Et donc, compositeur. Donc, toutes les œuvres qui ont pour compositeur et pas auteur ou créateur, Jean Lanceau. Et il n'y a que trois résultats, malheureusement. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut aller un peu plus loin. On peut taper, on va taper œuvre. Avec, je vais l'écrire avec un OE parce que j'aime bien la typographie. Et du coup, on peut faire œuvre label, œuvre description. Ça déjà ça va me donner un peu plus d'informations. Trio pour piano, le duc de Guise et le duc de Guise. Donc voilà, un trio pour piano, un opéra, bail. Et en plus, en l'occurrence, on voit que ça n'a pas été traduit en français. Il y a du boulot. Et d'ailleurs, le duc de Guise et le duc de Guise a l'air d'être deux versions. Donc ça c'est le. Ah, ça c'est l'œuvre opéra. Et ça c'est. La version plus précise. Faudra regarder la différence du Guise en anglais. C'est peut-être la même chose, ça. Bref, peu importe. Mais du coup, après, on peut mettre par exemple optional. Optional. Pour, si ça existe, alors donne-moi la date de création par exemple. Et on va le stocker dans une variable qu'on va appeler date. Donc là, j'ai cru voir au passage qu'il y avait une date. Je suis vraiment fatigué ce soir. Il n'y avait pas une date, non? Non, voilà. On va voir les deux autres. Date de première représentation 8 septembre 37, ça a vraiment l'air d'être la même chose. Représentation. Voilà. 8 septembre 1937. Et de cette façon, là, dans Optional, on peut ajouter tout un tas de. Bon, compositeur, on le sait, puisque c'est. Voilà. Langue. Là, la langue, c'est la même aussi. Non, là, la langue n'est pas indiquée. C'est peut-être ça la différence. Mais lieu de première représentation. Allez, on va faire ça. Ça va être lieu. Et lieu de première. De la première représentation. Et donc du coup, effectivement, on se voit que ces deux variables, les deux valeurs là n'apparaissent que là où elles sont pertinentes. Tant mieux, ça aurait été un peu étrange qu'elles soient présentes ici. Mais voilà. Du coup, il n'y avait que trois œuvres, mais à la limite, plutôt que d'avoir juste les trois éléments, j'en ai profité pour mettre plus de colonnes. Tant qu'à avoir peu de lignes. Je partage ça. Et plutôt que de prendre Augusta Holmès au hasard, pour rester sur la thématique. Voilà, Augusta Holmès, param, elle a 106 résultats, tout un tas de. En plus, elle a fait un peu des opéras, et des. Après, il y a des mélodies où là, c'est normal que ce soit lui. Voilà, elle a fait même pas mal de trucs qui sont bien renseignés dans Wikidata. Et là, c'est en plus, c'est en français à chaque fois tout. Cool. Et donc là, si vous voulez, vous n'avez qu'à changer cette variable-là, cette valeur-là, par le compositeur de votre choix. Hop là, je partage celle-là. Et Tambourcorelli nous dit c'est un truc qu'il faudra harmoniser à mon sens, oui, sans doute.
Il nous dit qu'autour de Gustav Holmès, du coup, il avait fait un sacré boulot cet été. Effectivement, un sacré boulot. Et pas que côté Wikidata en plus. J'ai pas forcément suivi d'ailleurs en détail tout ce qui avait été fait, tellement il y avait eu des trucs cool. Mais c'est pour ça qu'au Gustav Holmès, je m'attendais à avoir plus de résultats que George Onslow. George Onslow d'ailleurs, qui a sa rue à Rennes. Ben, Clermont-Ferrand. Voilà. Petit truc bête que les gens connaissent pas toujours, mais ici vous avez un petit bouton où vous pouvez effacer les requêtes, mais ça remet à zéro. Ça évite d'appuyer sur la touche supprime. Pour certains, ça peut être pratique. Ce qui me donne une idée de requête d'ailleurs. Toutes les qui a pour nature d'être une voie de communication, donc tout ce qui est rue ou sous-classe de rue, les places, les avenues, les boulevards, qui sont situés en pays France et qui sont nommés en fonction d'une personne. Et cette personne a pour occupation d'être compositeur ou compositrice. Compositeur. Personne qui compose. Est-ce que ça fait un résultat cool? Parce que je sais qu'il y a une rue Georges Onslow à Clermont-Ferrand qui devrait apparaître dans les résultats normalement. Il manque un E à personne. Alors ça. Ça, merci beaucoup Dalf, parce que ça, c'est une erreur catastrophique. Effectivement, quand une variable n'a pas le même nom au même deux endroits, du coup, ça veut dire qu'elles sont déconnectées. Et donc là, il va me chercher toutes les rues qui sont nommées en fonction de ça. Et il va aussi me chercher indépendamment tout un tas de personnes qui sont compositrices. Donc là, ça va faire beaucoup trop pour lui. Et il va mouliner dans la semoule. Vous entendez peut-être d'ailleurs mon ordinateur qui est en train d'essayer de décoller. Donc si j'oublie le E, ça ne marche pas du tout. Ça ne veut pas dire que celle-là sera beaucoup plus rapide. Parce que c'est quand même une assez grosse requête. Est-ce trop gros? Normalement, sur la France, ça devrait pas être si gros que ça. Si je mets juste. Je laisse l'autre tourner à côté, mais si je mets juste Clermont-Ferrand. Juste Clermont-Ferrand, il n'y a pas beaucoup de rues, donc. C'est étrange. Ah, on pense. Alors c'est marrant, Clermont-Ferrand n'a pas l'air d'aboutir pour une raison bizarre. Mais là, voilà, on a du coup 523 rues et équivalents dans Wikidata qui sont connues comme étant nommées en fonction d'une personne qui est compositeur ou compositrice. Alors ça fait déjà 21 secondes. On va tenter d'ajouter un service pour avoir le nom de. Label, personne, label, du coup on aura, vous devez avoir les identifiants Wikidata, on aura les noms. Et merci beaucoup à Charazin pour ta question parce que c'était exactement ce que je voulais faire. Ah bah, du coup il n'y a rien à Clermont-Ferrand, zéro résultat, et il a mis 33 secondes. Donc il met 21 secondes pour toute la France et 33 secondes pour Clermont-Ferrand. Intéressant, les mystères du calcul. Hein. Sparkle parfois. Donc voilà. Donc on voit une allée Arthur Honegger, nommée en fonction d'Arthur Honegger, une allée Darius Milhaud, en fonction d'Artus Milhaud. Bon là vous avez. Voilà. Allée Vivaldi en fonction d'Antonio Vivaldi. Boulevard Rouget de Lille en fonction de Claude Joseph Roger de Lille, etc. Et donc là effectivement tu m'as devancé à Charazin, mais Arthur, Darius, Nicolas, Antonio, Roland, Claude. Bon Claude c'est un prénom épicène, mais en l'occurrence Claude Debussy on sait que c'est un homme. Henri, voilà, on a quand même Nina Simone ici, j'ai vu une Yvette ici, Yvette Guibert, etc., etc. Et donc je pourrais compter à la main dans les 523 lignes qui est un homme, qui est une femme, mais je peux aussi plus simplement demander le genre, sexe ou genre de cette personne, et du coup l'afficher dans ce qu'on a le genre ici, genre label. Et donc, normalement, ça devrait donner une colonne supplémentaire où est indiqué le genre.
Et sinon, si on veut plus simplement, ce sera peut-être un peu plus rapide d'ailleurs, n'avoir que les femmes, au lieu de mettre une variable générale ici, je peux le fixer et dire que je ne veux que le genre féminin. Si je veux bien. Et si je fais pas deux requêtes lourdes en même temps en plus, voilà. Donc là, sur mes 523 résultats, on voit que j'ai mes résultats de masculin et féminin. Et donc là, je peux plus facilement compter féminin. Ben, on voit bien que voilà, il y a même pas la moitié de la première, même pas le dixième peut-être. Au moins, je peux les mettre en avant. Yvette Guibert, Germaine Taillefer, Nina Simone, George Sand. Pas forcément connue pour être compositrice, mais elle a sans doute fait des compositions qui voilà. Marie Dagou, George Sand qui revient une deuxième fois parce qu'elle est une fois en tant que Allée George Sand et une fois en tant que rue George Sand. Ou Promenade George Sand. George Sand revient plusieurs fois. Avenue George Sand, voilà. Tout ce qu'il faut. Lily Boulanger, Nadia Boulanger. Lily Boulanger. Ah, il y a une place Lily et Nadia Boulanger. Donc du coup, ça fait double ligne ici. Hein, intéressant. Re-George Sand, voilà. Donc en fait, la femme compositrice la plus présente n'est pas connue comme compositrice. Intéressant. Et donc voilà, on voit qu'il y en a 39 sur 523. Donc 39 divisé par 523 fois 100, ça fait que 7,4%. C'est nul. Il faudrait plus. Et en plus, là, on compte pas le nombre de femmes, on compte bien le nombre de rues. Donc c'est pour ça que George Sand, elle apparaissait plusieurs fois. Mais en fait, ça vient d'un biais de données, avant le biais de genre, ça vient du biais du fossé qu'il y a assez peu de rues dans Wikidata pour l'instant. Je sais qu'il y a quelques villes, Lyon, Rennes, Paris, qui sont pas trop mal rentrées. Et encore, les rues existent, mais elles sont pas toujours attribuées en fonction de qui elles sont nommées, en référence à qui. Voilà, dans des villes, d'autres villes, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées. Je sais qu'à Clermont-Ferrand, pour l'instant, il y a une trentaine de rues. Hein. Enfin, il y avait 80 rues, je crois, sur les 1000 rues de tout Clermont-Ferrand, et que je suis en train de les ajouter justement au fur et à mesure. Alors, du coup, je peux vous donner cette requête-là, qui est la requête générale. Et la requête spécifiquement sur pour n'avoir que les femmes. Tamiel nous dit, quant à George Sand, je n'ai jamais entendu parler de ses compositions. Eh ben, ça tombe bien, on peut prendre la requête qu'on a fait il y a littéralement 2 secondes, les œuvres composées par George Enso. Et si on met George Sand, est-ce qu'on a des résultats? Alors, je n'ai pas forcément besoin de la lieu et de la date. Est-ce qu'elle est connue pour avoir fait? Voilà. Donc, Wikidata non plus ne connaît pas ses compositions, ce qui n'est pas bon signe. Et George Sand, parce qu'elle est très connue comme femme de lettres, écrivaine, romancière, épistolière, tout ce qu'on veut, tout ce qui est autour du texte, de l'écrit, ça c'est sûr. Mais donc là, on voit que Alfred de Musset présente George Sand à Franz Liszt. Ok, très bien, mais rencontrer un compositeur ne fait pas de soi un compositeur. Elle n'est pas notée comme compositrice. Pourquoi Wikidata indique qu'elle est compositrice? Étrange. Occupation, donc écrivain, journaliste, salonnière, dramaturge, romancière, compositeur. Oups, ça a bougé. Voilà. Compositeur. Diariste et féministe. Féministe. Ah, c'est indiqué sur une source. Ah. Ça viendrait de Data BNF? Ou attends, qu'est-ce que c'est que ce lien? Est-ce que c'est un rapport? Ah! Alors attends, j'ai ouvert dans le mauvais onglet par contre. Voilà. George Sand, œuvre musicale.
Merci Data BNF. Data BNF qui est quand même, j'en profite pour faire pour déclarer tout l'amour que je pense de Data BNF parce que c'est quand même super bien foutu. Donc. Alors ça, c'est des œuvres musicales de cet auteur, mais où l'auteur a pu participer d'une façon ou d'une autre. Donc là, par exemple, Intimate 2005. En fait, c'est la musique de Chopin avec la voix parlée de l'être de George Sand. Donc en fait, elle est très indirectement autrice, compositrice, et autrice, justement. Je vois qu'il y a beaucoup de contributions modernes. Il faudra regarder plus en détail s'il y en a qui sont vraiment des compositions de la main de George Sand. Là, voilà, par exemple, là, un drame d'après un texte de George Sand. Donc, elle est compositrice par association, en fait, et pas en elle-même. Ou là, George Sand comme dédicataire. Donc là, en plus, elle a vraiment, littéralement, enfin, rien fait sur la composition de cette œuvre, en tout cas. Donc, oui, voilà, par exemple, un drame sur la mare au diable. Bah, oui, la mare au diable, c'est de George Sand, mais voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a pris compositrice au sens trop large et qui se retrouve avec ça. Du coup. Et Acharazin me dit que c'est pas sourcé et j'essaye de trouver qui a mis ça. Voilà. Vérifier qu'il n'y en a pas une où elle soit vraiment compositrice, mais là j'en vois pas. L'article n'en parle pas alors que l'article sur George Sand est quand même plutôt un article de qualité. On peut voir ici. Toute sa vie, toutes les étapes de sa vie. Musique. Sans délire romantique. George Sand est une centaine de machin, ok, mais. Voilà, mais du coup, il y a un identifiant Discog. Ce sera peut-être mieux d'ailleurs de voir ici où est MSLP. George Sand, librettiste. Donc. Pas compositrice non plus. Par contre, du coup, on peut la mettre comme librettiste. Je sais pas si c'est déjà présent, mais clairement, là, elle n'est pas autre chose que librettiste d'ailleurs là. Music Brands, okay, on va tous les ouvrir. Ben, il ne précise pas, mais donc du coup, on va dire que non par défaut. C'est pareil, c'est des audiobooks, donc ça n'a vraiment rien à voir. Je ne veux pas de cookies. 24 juillet 2016, elle était en concert à New York, George Sand. La classe. Il y a quand même 20 fans qui sont mis des alertes pour savoir quand George Sand passait en concert. Intéressant. Mais ça en fait toujours pas une compositrice. Et ici. Pareil, ça a l'air de rien avoir. Donc effectivement, c'est à retirer. Je fais confiance à la personne qui me suit pour corriger. Et oui, d'ailleurs, le chat est en train de me confirmer qu'elle n'est pas compositrice. Donc du coup, ça, par contre, voilà, on avait déjà péniblement 7% de femmes ici, 39 résultats. Si vous enlevez George Sand, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh là là, voilà. Sans George Sand, ça va très vite descendre. Pour ici, les pourcentages. Alors voilà, ça augmente le gender gap. Bravo. Vaut mieux avoir un chiffre faible mais correct, ceci dit. Je blague. Voilà, bah il est presque 19 h. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous voulez revoir ma tête fatiguée, je repasse face écran. Je ne sais pas si vous avez d'autres dernières questions éventuellement.
On va réaugmenter le nombre de compositrices quand ta mort a bossé. Bah oui, voilà, c'est ça. Je plus loin l'idée de. Ceci dit, moi je vais ajouter des compositeurs masculins à Clermont-Ferrand, au moins Georges Hanslot. Donc il faudrait effectivement fouiller la question, à voir qui bossera le plus. Refaire la même requête que j'ai fait dans quelques jours ou quelques mois. Voilà. Je vous laisse le temps de poser des questions toujours si vous voulez. On va plutôt clôturer. En deux, trois infos importantes, je pense que ce sera ma dernière session du mois, comme je disais tout au début. Parce que de toute façon, la fin du mois, je ne suis pas dispo. Mardi prochain, je ne suis pas dispo non plus. Peut-être une séance mercredi prochain, et qui serait vraiment la dernière, parce qu'après, c'est sûr que je ne serai pas dispo, notamment parce que je serai en congé, et que je vais faire le tour de la France, de la famille. Donc, je ne reviens pas à Clermont avant au moins le 1er décembre. Non, peut-être un mois. Voilà, peu importe, je ne serai pas dispo. Portez-vous bien. En même temps, ça me laissera un peu de temps pour traiter mes vidéos YouTube, car oui, je sais que je suis en retard sur la publication de mes vidéos YouTube. Elles ne sont pas perdues, elles sont juste sur mon, sont déjà mises sur YouTube, elles sont juste pas publiées parce que j'ai pas mis les descriptions, les liens vers les requêtes, etc. Voilà. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui seront sur Discord, donc on peut passer sur Discord pour d'autres questions supplémentaires éventuellement. Il me reste à vous dire bonsoir, à bientôt, sans doute à l'an prochain sur Twitch du coup. Ciao, ciao!